Bonjour, je suis Susanna Melki, chef d'orchestre finlandaise. Dirigée à l'Opéra de Paris, bien sûr, c'est un honneur pour chaque chef d'orchestre et pour tous les chanteurs aussi, j'imagine. Dirigée à l'Opéra Bastille, en plus, c'est un lieu fascinant, en fait. Moi, je trouve très beau le symbole d'avoir la maison d'opéra, justement, à Bastille. Et l'Opéra de Paris, bien sûr, est parmi les maisons les plus importantes de l'opéra dans le monde entier. J'aime beaucoup travailler avec l'orchestre de l'Opéra de Paris parce qu'ils sont excellents. Et la France, c'est vraiment un pays de l'art lyrique. Et les chanteurs à l'Opéra de Paris sont toujours de plus haut niveau. L'œuvre que nous avons faite à la production à Bastille, c'était un opéra par un compositeur tchèque, Leoš Janáček. Et la musique de Janáček est passionnante parce qu'il y a une intensité et une vélocité qui semble toujours très moderne. En fait, c'est un théâtre musical qui avance avec le rythme du texte. La préparation pour un spectacle commence en fait déjà au matin. On va au théâtre assez tôt pour bien sûr pour se préparer, pour être dans l'ambiance. Et je trouve aussi c'est très sympathique d'aller voir rencontrer les chanteurs avant le spectacle parce que bien sûr au théâtre nous ne voyons pas de près parce que moi je serai dans la fosse et eux ils sont au plateau. Donc c'est important de les retrouver pour un peu comment ils se sentent, etc. Dire bonjour. Et aussi, le spectacle, c'est une représentation, mais c'est aussi un moment de partage. Et j'aime bien justement ce côté travail d'équipe. Moi, j'adore faire les concerts et les spectacles et les représentations en France pour le public français parce que c'est un public qui est très connaisseur. C'est un public qui adore le chant et l'art lyrique, qui aime bien le spectacle et qui apprécie la tradition magnifique de l'opéra en France. Donc je sens toujours qu'il y a une très belle écoute et concentration parmi le public et c'est aussi quelque chose qui nous donne une volonté supérieure, une volonté supplémentaire de vraiment faire notre meilleur. Nous nous trouvons aujourd'hui à IRCAM, qui est l'Institut de recherche et coordination acoustique et musique. C'est une institution qui a été fondée par Pierre Boulez en 1977, je pense. J'ai travaillé comme directrice musicale de l'ensemble intercontemporain pendant 7 années, 2006 jusqu'à 2013. C'est pourquoi j'ai un lien très particulier avec cet endroit, parce que l'ensemble intercontemporain et IRCAM étaient des partenaires dans la recherche et création musicale. J'ai rencontré Pierre Boulez pour la toute première fois, en fait, après mon concert en 2004 à Lucerne. Et je savais qu'il serait là, et je l'ai rencontré après le concert. Et c'était un moment, bien sûr, dont j'avais un peu peur, parce qu'il s'agit d'une légende avec une réputation incroyable. Un personnage très important dans l'histoire de musique, carrément, mais aussi dans la vie culturelle française. Et c'était très sympathique, en fait. Il était une personne absolument adorable, très chaleureux. Et en fait, c'était ce concert qui était où la relation avec l'ensemble a été créée. Et par l'invitation de Pierre Boulez, j'étais invitée pour devenir leur directrice musicale. Donc c'est vraiment, dans ma vie, professionnel et aussi dans ma vie en général, c'est un lieu de clé.
Quand je commençais mes fonctions avec l'ensemble intercontemporain, c'était en 2006, j'ai décidé de m'installer à Paris parce que, bien sûr, il y avait beaucoup de responsabilités, l'emploi de temps, etc. Mais je voulais aussi connaître la culture où se trouvait cet ensemble et l'institution. Et après les 7 ans que j'ai travaillé à l'ensemble, j'ai voulu rester à Paris. Déjà parce que c'est Paris, parce que Paris est absolument formidable. Comme la vie des chefs d'orchestre est très internationale, c'est aussi formidable d'être au centre de l'Europe. Moi, j'ai grandi en Finlande, qui est un petit pays assez loin de la France. Il y a beaucoup de francophiles dans le monde entier et en Finlande aussi. Et les collaborations ont toujours existé. Il y a aussi une histoire de beaucoup d'artistes, les peintres, les écrivains, les compositeurs qui sont venus à Paris pour étudier ou pour habiter, pour travailler. Donc il y a des liens forts depuis très longtemps. Je suis très heureuse de voir aussi que la musique finlandaise existe en France. Et notamment, peut-être l'exemple le plus spectaculaire et belle, c'était la création mondiale d'un opéra d'une compositrice finlandaise, Kaija Saariaho. Et on a fait cette création au Festival d'Aix-en-Provence en 2021. Et Kaija Saariaho était une compositrice qui vivait à Paris depuis 40 ans. Elle était en fait... Une amie très importante, mais aussi pour moi c'était formidable d'avoir des amis franco-finlandais à Paris qui me prenaient dans la famille. Et bien sûr, il y a beaucoup de différences culturelles, mais la découverte d'une autre culture, c'est vraiment un chemin passionnant et je suis tous les jours reconnaissante de tout que la France m'a donné.